Salut, salut. C'est parti. C'est parti. Le feu rouge pour toi. Je suis super contente. Mais écoute, je m'appelle Noémie Baron. Je suis styliste personnelle. Puis aujourd'hui, je m'en viens en magasinage avec la belle Amélie. On va refaire sa garde-robe d'automne. Yes. Parfait, ça. Fait que petite présélection. Matière. J'aime ça. Couleur, un petit peu de cuirette, des ensembles coordonnés. J'ai même cherché un petit sac à main. Love it. Premier look pour la belle Amélie. Une belle petite jupe, on est dans une tendance comme années 90-2000. Puis cette année, en plus, l'espèce de débardeur que tu portes là, c'est ultra tendance. Fait qu'on... Épaulettes, ouais, c'est cute! Fait qu'on peut le mettre en superposition par-dessus une chemise ou juste avec la jupe. Puis tu pourrais quand même rajouter un blazer, tu sais, David. Tu peux l'essayer aussi avec le petit blazer en cuirette, voir qu'est-ce que ça fait en superposition. Puis à ça, on rajouterait comme un genre de chunky boot, justement, qui peut être le fun aussi. Ouais, c'est cute! J'aime ça. Ouais, très très mignon. Un autre beau look pour Amélie. On s'est dit avec une belle botte haute, ça serait très cute. On est comme dans un chic décontracté, justement, super tendance. La petite jupe, tu peux la remettre seule avec un lainage, tu sais. Vraiment, vraiment. En fait, c'est un short jupe. Portefeuille. C'est encore plus confortable. J'adore ça. Puis tu vas pouvoir mettre un collant quand même. Ça va être cute aussi. Fait que. Yay! On est encore dans les jupes parce qu'Amélie, elle aime porter des jupes, montrer ses belles jambes. Puis on va aller lui chercher un collant justement à motif. Ça va être super intéressant. Là, on l'a pairé avec un veston en cuirette qui est un autre must de la saison. Tu peux se porter avec un jeans, avec un petit crop top, avec un t-shirt plus relax. Des beaux musts pour l'automne. Donc, j'ai fait porter la jupe avec un lainage, puis un beau bomber jacket cuirette. Donc, si on va pas dans le veston, on peut aller définitivement là. C'est super chaud en plus pour l'hiver. Le petit manteau, puis ça se porte avec tout. Tu peux le porter plus décontracté, plus habillé. Puis montre-nous donc le chandail en dessous, juste pour montrer que ça fait toute la différence quand tu fais... Le French tuck à la taille, c'est ça. Entre si on laisse sortir complètement versus juste l'entrée un petit peu là, puis marquer la taille, c'est ça. Ça fait toute la différence dans un look. Merci! Deux accessoires tendance de la saison. Mais en fait, deux items. Donc, le petit sac à main en bandoulière comme ça, avec l'autre poche pour le cellulaire. Et encore une fois, l'espèce de débardeur qui peut faire comme un beau look. Là, elle porte avec son jeans. Super cute. Absolument. Oui, exactement. Oui, elle fait un peu plus chic, mais oui, tu la portes par-dessus un blazer, puis des fois tu peux la porter en dessous de ton manteau. Tu sais, au lieu de la mettre par-dessus ton manteau, puis ça ajoute tu la portes en dessous de ton manteau, tu mets ton manteau ouvert, puis ça prend pas trop de place, puis ça fait ton effet quand même. D'autres items qui n'ont pas nécessairement été montrés sur Amélie, mais qui feront sûrement partie de la sélection, c'est une petite robe noire, super passe-partout, très très mignonne, avec l'encolure ici un peu en dentelle. Ensuite de ça, on avait le cardigan court qui se porte seul, en fait, boutonné, entrant en French tuck dans un jeans, qui peut être très très intéressant. Puis vous pouvez jouer aussi le mélange de textures avec... justement, le pied de poule et tout ça qui peut être très fun. Ensuite de ça, ici, c'est un top qu'elle va porter avec ses pantalons palazzo ou un jeans un peu évasé qui faisait super bien. Puis le clou du spectacle, ouais. Elle était vraiment super belle. On voulait pas montrer, mais elle faisait vraiment, vraiment bien. Tu leur garderas la surprise pour un post Instagram, quelque chose. Fait que, elle était magnifique. On est rendu chez Dynamite. Puis là, on a une première petite robe avec un petit look un peu beau, super cute. On aime le détail des manches. Puis je lui faisais porter avec un gros cardigan chunky qu'elle va pouvoir reporter aussi avec un jeans. Même l'été, des fois, avec un short et un crop top, ça peut être super le fun. Ouais, c'est cute. On aime ça. On a terminé avec le Dynamite. On s'en va regarder pour des bottes d'hiver, des plus longues, des plus courtes. Parce qu'en ce moment, j'ai presque juste ça, qui est chic, qui est vraiment pas pratique, puis des bottes serrées.
puis après ça, j'espère qu'on va sûrement avoir le temps de faire un autre magasin. Je vous montre ça. On essaie des bottes, donc on voulait une botte un peu chunky et une botte haute. Puis là, on en a trouvé une qui est complètement imperméable, qui a une super belle semelle, qui peut faire comme autant un peu chic que plus sport. C'est vraiment cute, qui fait bien avec ton petit mollet en plus. Fait qu'autant avec un collant qu'un jean, ça va bien faire, on aime ça. On a essayé un autre modèle aussi plus court. Super cute, comme un peu chunky. Mon bon côté, voir. Ouais, cute. Un peu passe-partout. Avec ses jupes à carreaux, comme pieds de coque et tout ça, ça va être très très cute. On a choisi ça. Oui, on est en train de faire les choix finaux. Le petit sac à main, finalement. On va rentrer ça à l'intérieur. Ouais. Ça. Mettre ça plus, plus décontracté. On a laissé tomber les manteaux parce qu'on en avait, trouvé un vraiment, vraiment beau. Mais là, on a, Amélie a choisi finalement d'aller vers les bottes qu'on a vues tantôt plutôt que le manteau. Ça, lainage. Petit lainage pour. Ça, c'était vraiment cute. Oui, ça avec la petite arc ici, là. Oui, c'est super beau. On a dit non à tout ce qui était. Celui-là, on a choisi le gris. Le gris, exactement. Ça sortait mieux. Celui-là, il y avait une coupe. Juste un petit peu trop petit. Ouais, il ouvrait un petit peu finalement, fait qu'on a décidé de laisser tomber. Ça, c'est que j'en ai un comme. Tu viens de. Ouais, exactement. Ça, on a choisi un autre au Simons qui est comme un peu plus avec la finition dedans. Ouais, qui était plus beau avec les boutons, tout ça. Puis on a choisi tout ce qui était un peu pied de poule, pied de coq, tout ça, parce que c'est une grosse tendance. Puis en même temps, c'est un imprimé classique. Classique, fait que ça reste. Ouais. Dans mon style. Exactement. Le foulard, super beau aussi, qui va aller avec tout. C'est vraiment des beaux looks. Là, tu vas nous montrer ça hein, prochainement, tous tes beaux looks. Good. Puis comment c'était ton expérience avec la mini? C'était vraiment fabuleux. C'est tellement simple parce que j'ai pas à me casser la tête. C'est juste comme. C'est tout beau. c'est mon style, c'est simple, c'est chic. Puis ce que j'aime vraiment, c'est tellement la tranquillité d'esprit de ne pas avoir à comme, faire le tour du magasin et pas savoir qu'est-ce qui est sur moi. C'est comme parfait. Merci beaucoup, t'es une cliente exceptionnelle. Merci Amélie.